There's something about a rivalry that sports fans will always love. But in Europe, that passion runs a little deeper. It's more than being just a fan. You're born into this allegiance. Everybody involved feels different about this kind of game. And at least twice a year, there is one opponent that you hate more than the rest. Look, respect the vibe, no negative energy. Every rivalry has a story. To understand where this rivalry is today, we'll have to back up a few decades. Like most derbies, this is a tale of two small cities fighting for supremacy. In Orthez, La Moutette was the home gym, which also served as a farmer's market before games. Il n'y avait pas de plancher. C'était une moquette qui recouvrait le béton. Et de temps en temps, on pouvait sentir la merde des volailles. À La Moutette, qui était en fait un marché couvert, un marché aux volailles, etc., etc., qui était adapté spécifiquement pour les matchs, et on jouait sur de la moquette. Donc il fallait, avec des ballons au début, des ballons en plastique, donc il fallait déjà une semaine auparavant, 15 jours auparavant, commencer à s'entraîner avec ces ballons qui étaient différents. In Limoges, Boublanc was the largest arena in France after its construction in 1981. Yo, that's crazy. It's not certain what started the rivalry, but most can agree it began in the 1980s once both teams reached success. Limoges venait de gagner la Coupe Corac, une Coupe d'Europe, et ils pensaient être les meilleurs en France puisqu'ils gagnaient une Coupe d'Europe, sport collectif tout confondu, une première Coupe d'Europe en France. Et l'année suivante, l'Élan Béarnais a gagné la même Coupe d'Europe. Donc la rivalité, elle est venue de dire qui était le plus fort. Et de là est née une rivalité parce que ils nous ont un peu jalousés. Bon, si je fais le palmarès général, il est bien certain que Limoges par la suite, c'est pour ça qu'il y a eu une espèce de jalousie quand même de Pau-Orthez, c'est de voir quand même qu'on a eu un palmarès beaucoup plus important et plus rapidement que Pau. Après, c'est vrai qu'avec cette victoire, quelque part, il démontrait à toute la France du basket que Orthez aussi existait sur la carte de la France et qu'eux aussi avaient la possibilité de gagner une coupe d'Europe. Donc on va dire que les hostilités était ouverte, ça faisait un partout, il fallait encore maintenant écrire la suite. Donc c'est vrai que ça a un petit peu commencé aussi à cette époque-là, oui, c'est vrai. Championships may have caused the rivalry, but there were other opinions as well. La rivalité a commencé entre Limoges et Pau parce que tout d'abord les deux clubs étaient très ambitieux, avaient des ambitions non seulement nationales mais aussi internationales. C'est parti de la rivalité entre deux meneurs de jeu qui postulaient pour la même place en équipe de France, entre Jean-Michel Sénégal, qui était le meneur de Limoges, et Alain Larroquis, qui est un enfant d'Orthez. Le facteur déclenchant, ça sera la signature de Franck Buter, qui joue aux espoirs de Limoges et qui signe à Orthez. Et ça sera la première vraie déclaration de guerre. Il y a certainement la bagarre à La Moutette qui a tout déclenché. À Pau, en début de deuxième mi-temps, il se passe quelque chose, une grande bagarre. Et depuis là, chacun s'est mis de son côté en disant « moi je serai le chef ». C'est parti comme ça. Avec Henderson, qui était l'ennemi public numéro un des Limougeaux. Et il y a une prise de position préférentielle au rebond. Voilà, il y a des coups qui partent et ça se termine par la fameuse empoignade Klaransky, qui était un véritable taureau, hein, c'était un véritable taureau, et Kaba,
qui était une force de la nature colossale. Et voilà, et tous les deux étaient empoignés comme ça et personne n'arrivait à les séparer. Personne. C'était une atmosphère un peu particulière. J'étais moi-même devant ma télé, j'étais jeune, je regardais le match. Et quelque part, on se dit, c'est pas bien, c'est pas possible, ça se fait pas, c'est des joueurs professionnels, il y a une image. Et en plus, nous, Klaransky, notre joueur américain chez nous, c'était un ancien boxeur. Donc pas de chance pour Bankali Kaba. Et d'ailleurs, on le voit dans les images, qui est-ce qui recule? Alors qu'on joue à Orthez, c'est pas Klaransky, c'est le joueur d'Orthez qui recule. Et il a fallu que Pierre Seyant rentre sur le terrain et saisisse Klaransky, pardon mesdames, par les couilles pour lui faire lâcher Ben Kaba. Et c'est comme ça que la bagarre s'est terminée. À Orthez, lors de la finale, ils ont voulu faire la peau de Anderson. Il y a eu une bagarre générale et je suis rentré sur le terrain, j'étais responsable de l'ordre dans la salle. Il a plaqué Kaba sur une table de journalisme. Il était en train de l'étrangler, j'ai voulu le prendre là-bas. Comme ça, pour le faire lâcher, j'ai pas pu. Donc, ne pouvant pas passer par en haut, je suis passé par en bas. C'était ce qu'on avait appris, parce que moi, je me suis dit, Olivier, au rugby, on faisait ça. Parce que Klaransky, et nous, on le savait depuis un moment qu'il faisait de la boxe. D'ailleurs, on s'amusait avec lui pour un peu le provoquer, etc. C'était d'abord quelqu'un de très doux, qui avait une voix très aiguë par rapport à son physique, alors ça faisait bizarre. Il parlait comme ça, un peu. Et alors qu'il avait un physique, il faisait 2 mètres et 130 kilos. Très impressionnant physiquement. Et quand il a commencé à se mettre en garde, je crois que tout le monde a eu peur. Et même nous, ses coéquipiers, on avait peur de l'approcher parce qu'il était très énervé à ce moment-là. Moi, par expérience, en basket, quand c'est des joueurs intérieurs qui se battent, je vais m'asseoir sur le banc et j'attends que ça finisse. Mais dans le même temps, il y avait tellement de pression sur ce match-là. C'est des matchs tellement particuliers. Il y a une rivalité, on joue des titres, on joue une hégémonie, on joue une suprématie. On veut être le meilleur, on veut être le premier. Cette bagarre-là, elle n'était pas programmée, elle n'était pas prévue. Mais ça a été le fruit du résultat de l'intensité qui est montée pendant une saison, peut-être pendant 2-3 saisons même, avant. Et où à un moment donné, c'est monté, et il fallait que ça lâche. D'abord, je le regrette parce qu'il ne faut pas résumer les 20 ans, 25 ans de confrontation entre les deux équipes par cette simple bagarre, enfin par cette bagarre. A couple fights didn't define the derby, but the presidents from both sides weren't going to let it stop the rivalry either. C'est surtout une rivalité qui est liée de personnalité des présidents. D'un côté, il y avait le président d'un club qui était un village de Gaulois. C'est comme ça qu'il s'appelait. Et de l'autre côté, deux présidents de club, parce qu'il y en avait deux à Limoges à l'époque, étaient des gens qui étaient d'une ville un peu plus nantie. À l'époque, on était télévisés sur les chaînes publiques. Donc à chaque fois, il y avait 3,5 millions, 4 millions de personnes qui regardaient. Et il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas non plus d'Internet, il n'y avait pas de portable. Donc on causait à travers les médias et dans les radios. Et on s'envoyait des pics, et plus que des pics parfois. Donc ça montait, la sauce montait, et on arrivait au bord du terrain, tout le monde était en feu. Quoi. Il faut le dire, vous connaissez Pierre Seyant, et dans cette région, la région basque, vous savez que c'est les régions des mousquetaires, ce qu'on appelle en France. Alors vous savez, il était assez provocateur, Pierre Seyant. Nous, dans notre région Limousin, où a priori, nous sommes un petit peu plus calmes, nous sommes plus terriens, si vous voulez, puisque c'est des régions plus, très agricoles chez nous. Alors, cet esprit mousquetaire qu'on ressentait chez nos rivaux, nous avons dû nous forcer un petit peu, en ce qui me concerne d'ailleurs, pour pouvoir rivaliser sur le plan de la dialectique, vous comprenez, de la parole et puis des écrits. Je pense qu'il y avait un peu plus de retenue du côté des dirigeants de Limoges. Seyant, il aimait la caméra, il aimait la presse, il aimait se mettre en scène. Seyant était plus virulent. Des fois verbalement dans les journaux, mais de manière taquine, alors que Biojou, je pense, était quelqu'un de taquin, mais de manière beaucoup plus froide, voilà, si je peux résumer. Quelque part, c'était un jeu, une pièce de théâtre qui se passait au-dessus de nous. Nous, sur le terrain, les joueurs, on n'avait pas besoin de ça, véritablement. As the rivalry continued into the 90s,
Not much changed as both of these teams were still dominant. But Orthez made the move to Pau after the construction of the biggest basketball arena in France. And as this happened, they were able to steal a piece of Limoges' success away from them. Head coach Michel Gomez. Comment Michel Gomez était quand il était à Limoges? C'était un super coach. Super coach. Toujours particulier quand il y a quelqu'un de Limoges qui signe à Pau ou quelqu'un de Pau qui signe à Limoges. C'est... On a toujours un peu le sentiment d'être trahi. C'est un peu une trahison quelque part. Mais c'est normal, hein, c'est du business. C'était la fin d'une période, c'est la fin d'un voyage qu'on a fait ensemble avec Michel Gomez. En quelque part, jouer, c'était bonne chance. Et intérieurement, je savais que si on jouait Pau, on allait tout faire pour l'emporter et lui faire comprendre qu'il avait fait le mauvais choix. Bon, il a fait quelques années à Limoges, en nous donnant satisfaction, puisqu'on a remporté des titres de champion de France avec lui. Et puis, une année, il a décidé de quitter Limoges pour Pau. Bon, il est bien certain que c'est un coup fourré quand, de Pierre Seyant, qui a voulu, bien sûr, montrer qu'il pouvait s'approprier des entraîneurs qui avaient été compétents à Limoges et qui pouvaient s'attirer. C'était un coup politique. En 90, Limoges participe à la première Final Four à Saragosse. Moi, je voulais rester encore un an à Limoges. Nous partons donc à Saragosse et les dirigeants de Limoges annoncent que je ne serai pas le nouveau coach la saison prochaine, en plein Final Four. Et le soir, je suis allé au restaurant avec mon assistant et nous sommes rentrés dans un restaurant. Il y avait d'un côté Pierre Seyant et les Orthésiens et les Limougeaux de l'autre côté du restaurant. Et quand je suis rentré, tous les Orthésiens commençaient à entonner Gomez à Orthez, Gomez à Orthez, Gomez à Orthez, alors que je n'avais aucun contact avec Seyant, aucun contact. Et j'avais décidé d'arrêter ma carrière. Et là, en courant du mois de juin, on me dit qu'il y a Seyant qui voudrait que je vienne à Orthez. Donc voilà, et c'est comme ça que je pars à Orthez, pas très convaincu. Et quand j'ai vu ce Palais des Sports en construction, je me suis dit, il faut que je vienne. Quand Michel Gomez est arrivé à Pau, pour nous c'était le meilleur coach français de l'époque. Mais aussi c'était le coach qui allait faire le transfert de la ville d'Orthez à Pau. On passait d'un marché couvert de 4000 places à une salle de 8000. Je ne sais pas si vous savez, mais le match d'inauguration, c'est le match contre Limoges. Vous ne pouvez pas imaginer le poids que nous avions sur les épaules de l'obligation de gagner ce match. Et nous devions gagner. Et ce match, on l'a gagné. On l'a gagné devant 8000 fans, un délire. J'étais capitaine. Ce jour-là, on ne touchait pas le sol, on volait. Little did they know that everything that happened up to this point would lead to 25 years of confrontations, championships, and passion. Pour un club, on signe pour une équipe, pour des coéquipiers, un coach, un maillot, mais on épouse son histoire à un moment donné. On avait la passion de ces matchs-là, on voulait les jouer. On n'aurait jamais manqué un classico, c'était pas possible. Même blessé, on l'aurait fait. Ce que j'aime le plus, c'est pendant une heure et demie, c'est un vrai combat. Il ne faut pas lâcher. The passion is just unique, actually. And if you didn't experience it, you don't know. From the outside, it's one thing, but when you're on the court and you get, and you feel all this adrenaline, you know, you feel this energy is incredible. When you're on the court and you can actually talk about it, I get goosebumps. So this energy is incredible. My first game against Limoges was really
a difficult situation. It was weird because the coach I have this time was show us some video, some tapes about the game last game, like a few years ago. And he showed us the fight. He showed us the fight about some old players, some president and everything. So this kind of situation really got you hyped. As soon as you come in the court, it's like you in the jungle and you got to fight no matter what to survive. Ce que j'aime le plus, c'est que ça nous a obligés à nous préparer différemment, à rentrer plus dans le basket à 100, 110%, 120%, 130%. Cette rivalité, ça fait que les deux clubs, les joueurs, le public, tout le monde a progressé grâce à ça, quoi. Ce que j'ai aimé le plus dans les classicos, c'est tout ce qu'il y a autour. Les semaines d'entraînement avant le classico. Quand tu arrives à Limoges, tu sais que tout le monde sera contre toi. Et je ne vous parle même pas du match. Le match, forcément, c'est vraiment quelque chose que tous les joueurs de haut niveau veulent. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette rivalité ? Les emmerder. Une semaine, voire 15 jours avant, tout le monde venait nous voir en disant « Fred, c'est ce match-là qu'il faut gagner. Le reste de la saison, on s'en fout. On aura fait une bonne saison si on fait un bon match contre Pau et surtout si on les bat. » Parce que, enfin, je dis Pau, on disait pas Pau à l'époque, on les insultait. Quand on parlait aux supporters, comme ils les insultaient tout le temps, c'était rentré dans mon ADN. Et donc, je commençais à penser comme eux que les gens de Pau n'étaient pas des gens bien. C'était viscéral, je ne pouvais pas les supporter. Quand je les voyais à la télé, je les détestais. J'espérais que l'équipe d'en face les batte. Quand ils venaient ici, j'avais envie de les taper. Que j'ai détesté et que je leur voulais que du mal. Alors comme joueur, on détestait l'autre club. Ça, c'était impératif. On ne pouvait pas faire un derby si on n'avait pas la haine contre l'autre club. La culture, en arrivant dans le club, haïr ce club-là, mais quand même, entre les principaux acteurs, on avait du respect. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de respect à la fin de la carrière. La première fois que je suis arrivé, il y a Richard Akoui qui était notre capitaine et m'a dit ici on ne doit jamais perdre contre Pau, que ce soit ici ou à Pau. Et il m'a dit, moi je ne savais pas qu'est-ce que c'était le classico, et il m'a dit je vais te montrer comment ça se joue le classico. Et la première seconde, il commence comme ça le match. Et il rentre, il fait une faute dure sur Didier Gadou. Il m'a dit, tu sais pourquoi j'ai fait ça? C'est juste pour lui montrer que ce soir, c'est nous qui allons gagner. En tant que capitaine de cette équipe, c'est vrai que c'était mon devoir, un de mes rôles, que de faire comprendre aux jeunes joueurs l'importance de ce derby. Et puis après, c'est vrai que sur le terrain, c'est devenu deux équipes, je le redis, deux équipes qui se battaient pour la première place. Donc, c'est vrai, lorsque Jim Bilba nous parle de ça et parle de la manière dont j'ai pu les amener à comprendre l'importance de ce derby, ce que ça impliquait comme investissement personnel, comme investissement physique, comme investissement psychologique. Beaucoup étaient un petit peu surpris, ils n'imaginaient pas qu'il y avait une telle rivalité. Donc il fallait utiliser des moyens plus ou moins directs. Certains joueurs qui étaient plus concernés que d'autres, c'était les plus anciens forcément. Et le plus ancien, bah, c'était Richard Akoui. Il y avait Richard Akoui forcément qui entraînait un peu tout le monde, qui nous expliquait. C'est lui qui nous a inculqué cette haine viscérale qu'on avait pour les Palois. Une semaine, 15 jours avant, on commençait déjà à en parler. Commencer à nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Il faut jouer dur, il faut gagner le match à tout prix, coûte que coûte. S'il ne faut pas jouer au basket, on ne joue pas au basket, on met des coups. Donc voilà, alors il y avait les gadous, les photos qui arrivaient, qui te motivaient encore plus. No matter who is on the court, no derby is the same without the fans.
Quand tu sortais de la salle de Limoges après les matchs, tu es obligé de passer, tu montes les escaliers pour aller à ton bus et tu as 10 mètres entre la sortie et le bus. Tu as tous les supporters là qui sont là en train de te cracher dessus ou te faire des doigts, t'insulter. Voilà, c'est des moments qui sont intenses, qui sont marrants parce que voilà, et on sait que ça fait partie du jeu. Mais après, voilà, le truc qui est très, on va dire, très jouissif pour un Palois, c'est d'aller gagner un titre sur leur terrain. En tant qu'abonné, moi, mon père et mon fils, évidemment, c'est le match qu'on attend dans la saison. Les déplacements sont prévus à l'avance et même les matchs à domicile, c'est des matchs qu'on prépare plusieurs mois à l'avance pour préparer des tifos, des animations spécifiques pour cette équipe-là. Sometimes when we lost, I have some fans pretty much drunk and came wake me up and insulted me, my fan from Limoges at 4 o'clock because we lost the game. But that could happen, though. So no, this is a special game and anything can happen. During the game, after the game and even at your apartment actually. Moi, ce que j'ai préféré dans cette rivalité, c'est le fait que j'apprenne plein d'insultes. Parce que chaque fois que j'allais à Pau, ma pauvre mère avait des métiers chaque fois différents. Et moi, j'avais des insultes chaque fois différentes. Donc j'admire l'imagination des supporters palois de l'époque. Parce que franchement, j'apprenais plein de choses. Today, the front office of both teams are recycling history by taking shots at each other through social media. En plus, je me retiens beaucoup. C'est-à-dire que j'aurais tellement envie de chambrer, de taquiner Fred Forte de Limoges, mais je me retiens beaucoup. Si je le cherche, il va répondre, et s'il me cherche, je vais répondre, parce que c'est comme ça. French basketball is much different than in past years as rosters change more frequently. Nonetheless, it is still a rare occurrence for a player to experience both sides of the derby. In the beginning, I was kind of scared because I don't know if people are going to like me because I played in Pau all my life and you have to go there, play for them, like wear the jersey of Limoges. I don't know how it's going to be. So it was weird to play with another jersey. It looked like I was cheating on my old team. But the business was making, that was the business. I got to go, I got to play, I got to feed my family, I got to enjoy the game. Mon frère, Ronnie, il a joué pour les Pau en premier. Après, il est parti à Limoges. Donc voilà, après, pour moi en étant enfant du club, j'aurais jamais pris cette décision-là, d'aller jouer pour l'équipe ennemie, quoi. J'ai eu plusieurs offres pendant les dernières années de Limoges, mais j'ai jamais voulu y aller par rapport au vécu que les deux clubs ils ont. Donc j'ai vécu pendant 8 ans à Pau, j'ai gagné pendant plusieurs titres à Pau, et pour moi c'est impossible, mais vraiment impossible de jouer à Limoges. Non, jamais de la vie. Si à cette époque-là, on m'avait demandé de jouer pour Pau, je pense que j'aurais préféré me couper les deux bras et les deux jambes. Ça aurait été plus simple. Regardless of the uniform, there were certain players in this derby that left an everlasting impression. Richard Dacoury, un des meilleurs joueurs français qui représente Limoges. Quand on parle de Limoges, on pense à Dacoury. Freddy Hufnagel. Parce que c'est le plus grand joueur que Pau ait eu. C'est un joueur exceptionnel. C'est un garçon charmant qui aurait pu jouer, pour moi c'est le seul joueur de Pau qui aurait pu jouer à Limoges.
parce que c'est un garçon charmant qui connaissait le basket, qui était un joueur extraordinaire, qui a marqué 51 points en Coupe d'Europe contre le Real de Madrid, qui était capable de qui était plus fort que n'importe quel Américain du championnat, qui était un joueur, si à cette époque-là il y avait eu Larry Bosman, il aurait été joué dans les plus grands clubs, au Real de Madrid, à Barcelone ou au CSKA Moscou. C'était le plus grand joueur français à ce moment-là. Et que c'était un honneur de jouer contre lui. C'était un grand joueur et un grand monsieur. Et c'est toujours un grand monsieur. C'est Yann, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout. C'est lui qui a fait ce grand club-là. C'est lui tout seul. Ed Murphy. Ed Murphy, parce que c'était la première fois qu'on voyait un joueur comme ça. Incontrable. On pouvait se mettre dans son short, derrière, devant et tout. C'était l'enfer. Sur la période d'Orthez et sur la période après, on va dire, un joueur atypique et complètement hors norme, quoi. Hors norme, c'était Yann Bonato, quoi. Dan Collins, c'est pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs qu'il y a eu en Europe. En France, il était capable de tout faire. Mais si je dois en retenir un, c'est avec Paul Anderson, parce que c'était un peu violent. Il y avait un peu de méchanceté. Il y avait de la méchanceté quand même quand on jouait l'un contre l'autre. On ne s'aimait pas. Hein. La haine, je ne sais pas si on peut aller dire jusque la haine, mais c'est vrai qu'on ne s'aimait pas. Et on se mettait des coups et des fois des méchants coups. Ouais. The Gadou brother and Fotoux. It's difficult to take because those three are from pro. They carry the values, they carry the hate, they carry everything you want. The Petrus brother could become dangerous at times because they were young and kind of foolish, so you know that could actually hurt you. After all the blood, sweat, and respect, there's no one that can deny the impact this rivalry has had on French basketball. A commencé à amener des sponsors, ça a commencé à amener de l'argent, oui, dans le basket. Et des résultats. Les Espagnols, les Italiens commençaient à nous regarder d'un autre œil, oui, c'est sûr. Parce qu'ils disaient, quand on joue contre Orthez ou contre Limoges, bon, mais il va falloir jouer sérieux pour gagner les matchs. Je pense que ça a eu un impact aussi sur l'envie d'autres clubs aussi d'être plus compétitifs. Ils disaient, voilà, ben, si Limoges et Orthez y arrivent, pourquoi pas nous, quoi. Voilà. C'est vraiment un environnement assez spécial pour nous les joueurs, parce que on rêve de vivre des moments comme ça. Hein. Il y a d'autres classicos aussi en Europe, mais celui de Pau Limoges, pour moi, ça reste un des plus beaux classicos. Les deux clubs ont gagné beaucoup de titres dans une même période. 18 titres sur 22 ans. Donc ça a fait l'histoire. Hein. Et l'histoire, on ne l'efface pas. Some of these guys have done amazing things and have won so many championships and have affected so many people and have changed the game of basketball in an entire country. And I think that is something that I think is beautiful and it's important. 30 and 40 years from now, people should be talking about these moments and people should not forget, you know, this history. This derby really opened my eyes to the history of French basketball and why it's so great today, why so many French basketball players are now in the NBA. It all dates back to these games and even the games before that. C'est comme ça, c'est en nous, ça fait 40 ans que ça dure et ça durera encore pendant 40 ans. Et quand on sera sur notre lit de mort en train de regarder le match à la télé parce qu'on aura 75 ans, et ben on aura ce jour-là, même si on ne peut plus marcher, on sera debout avec l'écharpe autour du cou et on sera en train de supporter notre équipe. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que c'est en nous. During the making of this documentary, the French basketball world was devastated by the sudden passing of Limoges president Fred Forte. As a player, coach, and president, his impact on this rivalry in French basketball will never be forgotten. Regardless of how you knew him,
he will forever be known as a champion. Attention. Encore 20 secondes la balle entre les mains de Trévise et il leur reste 28 secondes à jouer. Tony Kukoč face à lui, Juli. Jakobini qui fait un écran pour Tony Kukoč. Frédéric. Ah, un rayon, 3 points de Jakobini. C'est fini. Frédéric Porter a le ballon du match. Il va marquer, c'est fini.